En 5 ans de pouvoir, il n'a pas effectué un seul voyage en dehors de son pays allant en Europe. En 5 ans de pouvoir, pas un seul voyage pour aller en Europe, pour aller voir des investisseurs. Il n'a pas fait tout ça là. En 5 ans de pouvoir, il est resté en Afrique. Il a fait des voyages au Rwanda, voyage en Mozambique, voyage en Éthiopie, voyage en Ouganda. Il n'est pas allé en Europe, pas une seule fois. Il a reconstruit son pays avec l'argent du contribuable. Il n'est pas allé demander de dettes. Il n'est pas sorti aller demander de dettes ailleurs. Il a construit le pays, il a reconstruit les routes, les marchés, reconstruit les institutions avec l'argent du pays. Non, on n'a pas nécessairement besoin d'aller ailleurs pour chercher de l'aide, à moins que ce soit une raison, des excuses justement, ou pour des intérêts personnels. John Pombe Magufuli a prouvé aux gens qu'on n'a pas besoin d'aide externe, pas nécessairement pour progresser, ou au moins faire un pas vers le progrès. Pas un seul voyage. Pendant ce temps, comme vous le savez, beaucoup de gens sans capacité cérébrale, mieux que vous, sont bien assis en politique. Ils sont députés, on les voit, ministres, des gens qui ne sont pas nécessairement mieux que vous, comprenant dans quelle direction ils vont. Comment est-il mort ? L'une des raisons principales pour laquelle l'Afrique a du mal à avancer, c'est parce que des gens intelligents comme vous ne s'intéressent pas à la politique. Oui. C'est les abrutis souvent qui sont bien placés. C'est les abrutis qui font des vidéos sur la politique, défendant l'indéfendable, des bêtises. Vous savez, il n'y a pas de mauvais peuple. Le mauvais peuple n'existe pas. Il n'y a que des mauvais leaders. Quand le leader est bien dans ses bottes, le leader est fort, le peuple devient fort. Quand le leader est stupide, la population suit. Les gens ne font que exactement ce que font leurs leaders. C'est un peu comme dans la maison. Les enfants sont généralement le reflet de leur papa ou de la discipline qu'ils reçoivent à la maison. Un homme qui bat sa femme, très souvent vous remarquerez, son papa battait sa mère. Ou n'a jamais eu de papa carrément. Le peuple reflète l'image du leader. Quelqu'un disait, chaque peuple reçoit le leader qu'il mérite. Ce n'est pas faux. C'est très facile d'accuser le leader, oubliant que le leader fait partie simplement du peuple, de la mentalité du peuple. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, John Pombe Magufuli. L'ex-président tanzanien, paix à son âme, que beaucoup connaissent et certains ne connaissent peut-être pas. Aujourd'hui, en son honneur, nous allons développer un sujet à son égard pour montrer combien c'était un homme extraordinaire, un président avant-gardiste, considéré par beaucoup comme le meilleur président de l'Afrique, en tout cas de son ère, et peut-être le deuxième après Sankara de tout le temps. On va voir dans quelques éléments, on a prévu 10, mais ça sera peut-être plus ou peut-être moins. Qu'est-ce qui particularise ou particularisait John Pombe Magufuli? Pourquoi était-il extraordinaire? On y va. En 2015, John Pombe Magufuli, le président tanzanien, l'ex-président tanzanien, entre au pouvoir. Et on organise une fête annuelle, la fête de l'indépendance, que vous connaissez certainement chez vous aussi. La fête que les Africains ont chaque année pour célébrer leur indépendance, entre parenthèses. Une indépendance inexistante. Bref, pour organiser la fête de l'indépendance, il fallait dépenser beaucoup d'argent pour faire la fête, évidemment. Et John Pombe Magufuli dit niette. Il n'y aura pas de fête. Il n'y aura pas de fête tant que des populations tanzaniennes seront en train de mourir de choléra. Parce qu'à l'époque, d'après lui, il y avait des personnes qui mouraient de choléra. Après avoir fourni quelques recherches, on a découvert qu'il y avait à peine une septantaine de personnes mourant de choléra à l'époque. Et il a dit, il n'y aura pas de fête de célébration de l'indépendance tant que les Tanzaniens mourront de choléra. Il a supprimé cet événement. Mais qu'est-ce qu'il a proposé en retour? Au lieu de dépenser de l'argent qu'il fallait dépenser dans les salles, dans les fêtes, vous savez, les Africains adorent les fêtes, il a bloqué les dépenses des millions de dollars pour investir cet argent dans la construction de la route venant de Morocco à Mwenge, pour ainsi diminuer l'embouteillage qui se présentait chaque soir. Donc, au lieu de dépenser l'argent dans la fête, comme le font généralement les présidents africains qui adorent les fêtes, les célébrations et l'honneur, il a dit, il n'y aura pas de fête. On prendra cet argent de fête et on va dépenser ça pour la reconstruction de la route de Morocco à Mwenge pour éviter l'embouteillage. Qu'est-ce qu'il propose en contrepartie? Il dit que chaque Tanzanien se présente dans les rues de Tanzanie, les rues de leur ville, et commence à nettoyer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé comme un vrai leader. Il est descendu lui-même sur le terrain et a commencé à nettoyer. Vous imaginez un peu, un président de la République qui descend dans les rues et commence à nettoyer, enlever la saleté avec ses mains, s'il vous plaît. Les choses que beaucoup de personnes n'oseraient pas faire. Beaucoup de personnes sont beaucoup trop... Vous savez, les politiciens africains, vous remarquerez, aujourd'hui sont d'ailleurs beaucoup trop grands pour porter leur propre sac. Même pour porter son sac, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Parapluie, il faut que quelqu'un porte ça. Mais le président tanzanien, John Pombe Magufuli, docteur en chimie, s'il vous plaît, s'est présent dans les rues et commence à nettoyer avec ses mains. Enlève les poubelles. Et tout le monde, évidemment, quand le leader est bon, tout le monde suit. Et s'est présenté après lui, les membres du gouvernement, les enseignants, les travailleurs civils et toute la population se joint à lui pour faire un travail pour son pays. Maintenant, demandez à votre président ou vos politiciens, parlementaires et députés, de descendre dans les rues et nettoyer. Non, c'est... Comment voulez-vous que la population respecte la propreté, l'hygiène, la salubrité mentale et physique si les politiciens ne peuvent pas montrer le chemin? Ce n'est pas le peuple. Le leadership est très important. Les enfants ne font que ce que le papa fait.
Le président tanzanien John Pombe Magufuli, mon président, que je respecterai pour toujours, a banni tous les vols, tout déplacement international des membres du gouvernement. C'est-à-dire tout déplacement international, tout vol international banni complètement. Pourquoi? Parce qu'il se dit, pourquoi envoyer des gens à l'étranger si nous avons des représentants à l'étranger? C'est-à-dire s'il y a des choses à faire à l'étranger, appelez l'ambassadeur. Demandez l'ambassadeur d'effectuer ce qu'il a effectué comme négociation, comme discussion avec leur contrepartie, leur collaborateur à l'étranger. Il dit qu'il n'y aura plus de voyage international de membres du gouvernement. Vous savez, dans beaucoup de pays, hein, les gens n'attendent que ça. Avec un petit rien là, on veut aller faire un voyage en Suisse, on veut faire aller voyage en France. Les membres du gouvernement, de manière très inutile, vont en Suisse, vont en France avec l'argent du contribuable. John Pombe Magufuli bannit les voyages internationaux pour préserver l'argent du contribuable. Il dit pour tout voyage international, faites appel à l'ambassadeur pour vous représenter. Ou si c'est nécessaire, si c'est urgent, si c'est sine qua non, alors il faudrait une autorisation officielle, soit de lui-même, de son adjoint, tierce personne qui était consacrée à cet égard. Le 31 novembre 2015, 50 membres du gouvernement tanzanien partaient en voyage de Commonwealth. Commonwealth, c'est l'ensemble de pays colonisés par la Grande-Bretagne qui se réunissent toujours, ils ont leur organisation, vous savez. Alors, 50 personnes, membres du gouvernement, étaient censées partir dans ce voyage. Il a réduit cette délégation à 4 personnes. De 50 à 4, imaginez-vous. Donc, vous savez, les Noirs, quand ils vont en voyage, c'est souvent conseiller numéro 1, deuxième conseiller chargé de la... troisième conseiller chargé des papiers, cinquième conseiller chargé des filatures. C'est en fait, le nombre de conseillers est incroyable. Il a réduit de 50 personnes à 4 personnes. C'est un peu comme ce qu'on voit très souvent dans certains pays ici d'Afrique. Les sportifs sont censés partir faire leurs prestations de sport, mais les sportifs ne partent pas. Ceux qui partent sont les membres de famille, des gens de l'organisation du sport, qui vont finalement se tailler ou se tirer et ne plus jamais rentrer. Incroyable. John Magufuli a méticuleusement transformé cela. De 50 personnes à 4 personnes de délégation. Il a aussi banni les voyages en première classe. C'est-à-dire, vous voulez faire un voyage à l'étranger, pas besoin de partir en première classe ou business class. Tout le monde, économie. Et ça me rappelle le grand Thomas Sankara, qui disait que vous soyez en première classe ou en économie, quand l'avion décolle, bon, c'est tout le monde qui décolle, hein. Et quand l'avion atterrit, tout le monde atterrit à la fois. Et c'était ça le concept de John Pombe Magufuli, dans le but de garder, d'économiser de l'argent. Il a ainsi économisé des millions de dollars en tickets, en logements, en nourriture, en per diem. Tout le monde partait en économie, en tout cas parmi les membres du gouvernement. Les seules personnes qui pouvaient voyager en first ou business class étaient le président lui-même, son adjoint, le vice-président et le premier ministre. Voilà comment a procédé John Magufuli pour changer la mentalité des Tanzaniens. Bulldozer, John Pombe Magufuli a interdit tout rassemblement, réunion ou fêtard ou tout meeting des membres du gouvernement dans les hôtels chers. Vous savez, les Africains, ils adorent ça. Quand on fait partie du gouvernement, ou on est député, on va se réunir dans certains endroits. Les endroits les plus huppés de la ville. Évidemment, on ne paye pas de son argent. C'est l'argent du contribuable. Il a interdit tout ce fait. Vous voulez faire des réunions, des meetings, des rassemblements, faites-les dans vos bureaux. Vous avez des salles de réunion. Épargnons ainsi le pays des dépenses inutiles dans les boissons, les champagnes. Vous savez comment ça se passe. La nourriture, les gâteaux. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont véritablement besoin d'aide. Et cet argent pourrait servir de tremplin pour changer leur situation. Il a dit, si vous êtes politicien et que vous avez faim, mangez à la maison. Après vous être rassasié, ensuite venez à la réunion. Voilà. Beaucoup n'ont pas aimé ça, évidemment. John Pombe Magufuli, juste après avoir été élu comme président de la Tanzanie, est parti faire une visite surprise à l'hôpital Muhimbili. Muhimbili, c'est le plus grand hôpital de l'État. Il est parti en visite surprise. Il est parti dans les corridors où personne ne part. Vous savez comment ça fonctionne. Quand vous invitez une autorité, vous montrez les parties les plus propres, n'est-ce pas? Ah, ici c'est bien, on peut montrer là, on peut montrer. Mais lui, il voulait pas ça. C'est lui qui dirige. Moi, je vais partir par ici. Je vais aller de l'autre côté. Et étant lui-même docteur en chimie, c'est une personne qui comprend tout à fait le fonctionnement d'un hôpital. Et il a trouvé les machines de scannage. Comment vous appelez ça? CAT scan, CT scan, c'est quoi en français? Je sais plus. Enfin, bref, vous allez compléter ça. J'ai oublié. Ça ne fonctionnait pas. Il a demandé au médecin directeur pourquoi ça ne fonctionne pas. Le médecin directeur n'avait pas de réponse. Il a viré le médecin directeur. À cause de la saleté, des difficultés, le manque de matelas. Il y avait évidemment un compte prévu pour toutes ces histoires. Mais ce compte était bousillé. Évidemment, comme nous sommes champions, on adore l'argent, on ferait tout pour l'argent. Certains parmi nous-mêmes vendraient leur mère, on le sait. Voilà, on a bousillé l'argent du contribuable destiné à soutenir les gens. John Magufuli a viré le médecin directeur et son adjoint. Après avoir engagé quelqu'un d'autre, on les a donné 3 semaines pour réparer tout ce qu'il y avait à réparer. Et en 3 jours, ils avaient tout réparé. Imaginez-vous un peu. En 3 jours, on a tout réparé.
Donc pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui manquait? Il a dit, dans 3 semaines, il faut tout réparer, sinon je vous vire aussi. Et en 3 jours, on a tout réparé. Imaginez-vous un peu. En 3 jours, on a tout réparé. Ah, donc c'est possible. Ça avait toujours été possible. Il n'a pas du tout contribué. On n'a pas donné de l'argent pour essayer de réparer tout ça. Il a dit, vous avez 3 semaines pour réparer ça. En 3 jours, ils l'ont fait. Manque de volonté. Manque de bonne moralité. Il n'y a pas de mauvais peuple. C'est le guide qui donne l'idée, la peinture, l'imagerie, le film de l'avenir. Un leader faible crée toujours un peuple faible. Un leader fort, qui n'accepte pas les bêtises, l'abrutissement, le vol, la corruption, élève derrière lui une population forte. Le Parlement tanzanien avait prévu 300 millions de shillings pour organiser une fête de l'État. Et il dit, on va dépenser 25 millions de ces 300 millions pour organiser la fête. On va manger avec les 25 millions. Et le reste, on va utiliser pour acheter des lits pour l'hôpital qu'il avait visité. Et on a acheté 300 lits et matelas, 600 draps. Incroyable. Ils auraient évidemment bouffé l'argent s'ils n'avaient pas fait ça. En fait, ça arrive très souvent. Il y a un budget qu'on donne pour tel ou tel élément, un budget pour organiser un événement. Très souvent, on n'atteint jamais le maximum du budget. Disons qu'on a donné un budget d'$1 million, pour simplifier, et que l'organisation a coûté $200 000. Vous pensez qu'ils vont rembourser les $800 000? On ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Jamais on ne fait ça. On fait un voyage au nom du gouvernement et on remet l'argent qu'il faut. Pourquoi? Mauvaise moralité. Basse moralité. On ne peut pas placer en pouvoir des gens de basse moralité. Le pays n'ira nulle part. Il ne s'agit pas toujours d'avoir des diplômes et de l'intelligence scolaire. Ce n'est pas toujours question de ça. C'est question de moralité aussi pour évoluer dans la vie. Des gens qui n'ont pas fait des grandes études peuvent être des gens convenables pour l'avancement d'un pays ou d'une organisation. Avec l'argent destiné à la fête, on a réétabli l'hôpital pour l'avancement et le bien-être du peuple tanzanien. Au pouvoir, John Magufuli a réduit le nombre de ministères de 30 à 19. Donc il y avait 30 ministères en Tanzanie. Il a réduit cela à 19. Pourquoi? Parce qu'il a compris que 11 étaient inutiles. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on fabrique même des postes qui ne servent absolument à rien pour se faire de l'argent. Et comme le disait, celui qui devient riche à travers la politique est un voleur. Ce n'est pas, on ne peut pas devenir riche à travers la politique. On ne devient pas politicien pour acheter des villas. On devient politicien pour améliorer la vie des gens. Pour changer la condition de vie du peuple. Il a aussi annulé les primes des membres du gouvernement. Vous savez, les membres du gouvernement, dans beaucoup de pays, reçoivent des primes. Il a dit, ces primes servent à quoi? Si vous avez un salaire à la fin du mois. Vous avez été engagé pour un salaire à la fin du mois. Les primes servent à quoi? Et je pense que c'est une très bonne idée. Parce que quand on réduit les salaires des politiciens, c'est là qu'on commence à trier les vrais politiciens. Parce qu'il y a les politiciens qui veulent le bien-être, l'avancement, le développement du peuple. Et les politiciens qui sont là pour s'acheter une villa et une Jeep. Quand il n'y a plus d'argent comme ça, les politiciens qui sont vraiment là pour travailler pour le peuple se présentent. Ils seront les seuls à rester. Les autres iront faire le commerce ou le marchandage quelque part. Parce que leur objectif, c'est de l'argent. Il a annulé les primes des officiels, encourageant d'être satisfait de leur salaire. Il a aussi dit aux ingénieurs liés à l'État, pourquoi avez-vous besoin d'être coucoulé dans des voitures V8 qui n'ont absolument rien à voir avec votre travail? Pourquoi avez-vous besoin de rouler dans des voitures V8? Vous êtes ingénieur, il faut chercher des pick-up qui ne sont pas nécessairement V8, qui vont en accord avec votre travail. C'était une personne qui n'était pas là pour s'enrichir. Il était là pour l'amour du peuple. L'éducation civique et morale est primordiale. Au-delà de tout, l'enseignement, l'intelligence, les qualifications, la spiritualité, l'éducation civique et morale est très importante. Sans laquelle, on aura toujours des bandits, des escrocs, des aventuriers, des profiteurs, des opportunistes, des parvenus en politique. John Pombe Magufuli a transformé radicalement son pays en très peu de temps. Un seul mandat, 5 ans, hein, et quelques poussières. Dans d'autres pays, on vous dira, à notre arrivée, le pays était complètement par terre. Donc, on a besoin de 20 ans, si pas plus. Il n'avait pas besoin de tout ça. En 5 ans, il a fait des choses énormes. Construit de routes tanzaniennes. L'infrastructure a complètement changé. Le peuple est heureux, content de l'avancement du progrès. Combattu farouchement la corruption. La corruption dans un pays commence au-dessus. Ce ne sont pas les peuples qui font tout ce que vous croyez là. Quand les travailleurs savent que le chef est corrompu lui-même, ils comprennent qu'il faut se servir. Mais quand ils savent que quand on est corrompu, on va en prison. On subit des conséquences. On est mis à nu, on est ridiculisé comme on le fait dans un pays de l'Afrique de l'Est. Les gens commencent à changer. Le leader détermine la direction du peuple. John Pombe Magufuli, comme vous le savez, était une personne qui remettait tout en question. Avec l'événement qui s'est passé récemment, vous connaissez très bien, je ne donnerai pas les détails. Il a refusé de s'incliner à l'idée internationale.
voulant ainsi préserver l'intégrité de son peuple et leur indépendance mentale, qui est très important pour la libération d'une nation. Aujourd'hui, nous le célébrons, John Pombe Magufuli, le meilleur président d'Afrique de sa génération, et pour beaucoup, juste après Thomas Sankara. Beaucoup de gens souhaiteraient avoir des présidents qui... Un homme qui ne s'exprimait qu'en Swahili. Il n'avait pas de complexe. Oh, la papier, les travail. Il n'a pas de complexe d'article, tout ça, comme les francophones, les francolatres. Il s'exprimait tout le temps en Swahili, sa langue maternelle, pour valoriser sa nation. En 5 ans de pouvoir, il n'a pas effectué un seul voyage en dehors de son pays, allant en Europe. En 5 ans de pouvoir, pas un seul voyage pour aller en Europe, pour aller voir des investisseurs. Il n'a pas fait tout ça là. En 5 ans de pouvoir, il est resté en Afrique. Il a fait des voyages au Rwanda, voyage en Mozambique, voyage en Éthiopie, voyage en Ouganda. Il n'est pas allé en Europe, pas une seule fois. Et il a reconstruit son pays avec l'argent du contribuable. Il n'est pas sorti aller demander de dettes ailleurs. Il a construit le pays, il a reconstruit les routes, les marchés, reconstruit les institutions avec l'argent du pays. John Pombe Magufuli a prouvé aux gens on n'a pas besoin d'aide externe, pas nécessairement, pour progresser. Pour au moins faire un pas vers le progrès. Pas un seul voyage hors d'Afrique. Pendant ce temps, comme vous le savez, il y a des gens qui ont trouvé la politique comme une opportunité de voyager. Ah, finalement, je verrai la Tunisie. Finalement, je verrai Singapour. Ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on est en politique. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce que vous, les gens intelligents, ne dites rien. Vous n'êtes pas impliqués. Vous, les gens intelligents, être absent de la scène. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de votre avenir. Il y a beaucoup de gens moins intelligents qui sont associés à ces instrumentations. Beaucoup de gens sans capacité cérébrale, mieux que vous, sont bien assis en politique. Ils sont députés, on les voit. Ministres. Des gens qui ne sont pas nécessairement mieux que vous. Absolument pas. Soyons impliqués. Comprenons dans quelle direction nous allons. Comment est-il mort? Je ne pourrais malheureusement pas vous le dire. Tout ce qu'on sait qu'il s'est opposé au statu quo. Et il n'a pas eu froid aux yeux pour dire non. Docteur Pombe Magufuli. Un homme fort, un homme de foi. Un homme de bonne moralité.